Et devant cet homme, j'ai vu un canon dépasser et une sorte de crosse en bois derrière. Je ne sais pas quel type d'arme que c'est pour ça que j'ai pensé à une AK-47. Et ensuite, je n'ai pas voulu rentrer dans le garage, ayant peur que si je rentre, il me prendrait en otage ou tuerait mes amis. Étonnant. Écoutez, une AK-47, vous avez l'air de vous y connaître en armes. J'espère que vous n'êtes pas un de ces djihadistes qui part en Syrie pour couper du bois. Non, je vous rassure. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Allez-y, parlez-moi, arabe. Je ne crois pas que les djihadistes aiment les hommes homosexuels comme moi. Vous êtes homosexuel? Oui, pourquoi? Tiens, 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 moi je suis bisexuel et je les reconnais. Si je vous renifle, je ne sens pas une once de Freddie Mercury en vous. Enlevez votre masque et dites-moi que vous êtes vraiment homosexuel ou non. Voulez-vous voir des choses sombres et fantaisies ensemble au fond du garage? Écoutez, je ne serais pas contre, mais malheureusement, mon équipe d'intervention est avec moi actuellement. Nous sommes d'habitude sur une prise d'otage et non sur une scène de crime où votre anus pourrait saigner. Je préférerais donc nous remettions ça à plus tard si vous n'y voyez pas D'accord, d'inconvénient. il n'y a pas de souci. Mais du coup, par rapport à l'homme qui a fait une prise d'otage, je suppose, car il est entré dans le garage avec une arme, je ne sais pas pour faire quoi, allez-vous le retrouver? Écoutez, nous allons mettre toutes les forces de police en notre possession, c'est-à-dire toute la 99e. Car il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais quand je suis rentré dans le garage, Oui. et qu'ils étaient en train de discuter, et ça Attendez, je paraît vous d'être... arrête. Vous n'êtes pas en train de faire un parallélisme garage avec le fait que je vais rentrer dans votre garage prochainement? Non, monsieur. Très bien, je vous laisse poursuivre. Alors. Quand je suis rentré dans le garage, ça parlait que, regarder au mur, les fils, ce n'est pas très aux normes, et cette personne chauve parlait qu'on n'est jamais sûr, le garage pourrait prendre feu et nous n'avons pas d'assurance. Et il parlait d'une assurance qu'il tenait lui-même. Donc, je ne sais pas de quoi il parlait. Est-ce que c'est une assurance par rapport aux incendies, choses... Très bien, j'ai le nom de code pour vous. Nous allons faire, nous allons, excusez-moi, nous allons mener une enquête ensemble et vous allez me servir d'appât afin d'appâter la racaille. D'accord. Notez, s'il vous plaît, prenez le papier qui se trouve à ma gauche, celui avec le petit post-it jaune. Retournez-le, prenez un Oui. stylo et écrivez. Et j'écris. La prochaine fois que cette personne vous parle d'assurance, demandez-lui, avez-vous des assurances pour animaux pour votre femme? La personne va vous répondre non. Vous lui répondrez alors, c'est pour quand j'aurai défoncé sa chatte. Si cette personne sort une arme après cette blague, c'est que c'est un terroriste international recherché probablement par le FBI. Dans ces cas-là, vous m'appelez sur ma ligne personnelle. D'accord. Je vais vous laisser mon numéro. Oui, attendez, je le note. Êtes-vous Quel est prêt? votre prénom? Je ne vous ai pas demandé, Je commandant. m'appelle Michel, mais vous pouvez m'appeler Michel. Ou plutôt Michou, pour les intimes. Michel. Quel est votre numéro de téléphone? Le 555 91 76. Je suis une Merci. star. Ah, vraiment? Oui. Vous êtes une star dans le domaine de la chanson? La chanson, la sculpture, l'onomatopée et également tout ce qui rejoint le secteur de l'artistique. Waouh. Ah Vous oui. devez avoir beaucoup de contacts dans le show business. Les contacts, je me les fais, mais très très fort. Est-il vrai qu'il faut être homosexuel pour coucher et réussir dans le Pas du tout, monde j'ai du réussi dans business? toutes les EHPAD du monde et je peux vous dire que j'en ai niqué de la Granny. Les Granny Awards, c'est pour Bibi. D'accord, eh bien merci Michel et au plaisir de vous revoir. Avec plaisir, j'attends de vos nouvelles. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais pourquoi je suis capitaine de police? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais non! Mais non! On va s'envoyer pour la donut quand même. Ça parle de donut. Je viens bientôt de Je vais boucler une m'entretenir enfer comme d'un ça. criminel très répandu. Nous allons avoir des nouvelles très prochainement. Sachez que toute la police et la Et voilà. 99e est sur cette affaire. Et surtout moi, parce que la personne a envie de se faire siphonner à l'arrière-train au fond de son garage. Ah bon? Oui. Formidable. Je m'appelle pas Jacques Chirac, Ah moi! bah dis donc, Ouais, ça passe pour cette fois, le vol de Benia, mais ne vous y reprenez pas, hein. Et par contre, Actuellement, on va aller l'activité est embarquer la limitée coupe à la mulet, on va réunion. aller lui parler au bord d'un lac pour une petite Grégory. Ouh.
Non, non, j'ai pas dit que vous pouviez partir. Après, c'est pour le vol de Beignet. Dites au Après, sergent-chef de le vol de l'embarquer dans Beignet. ce...